c'est une école d'humilité et de respect des autres, hein, l'ultra trail. Donc c'est arriver, puis faire des connaissances et puis soutenir le copain qui est pas bien. Au moins on va pouvoir être en harmonie avec la nature et ça c'est appréciable. On est venu, enfin moi à la base c'est moi qui ai essayé de faire venir les copains pour Antoine Guillon, l'organisateur. Et ils en parlaient avec tellement de bonheur et d'amour pour leur région et leur parcours que franchement j'ai craqué. Ouais, je pars en découverte totale. Donc, vu que je ne connais pas la région, donc, j'aimerais en profiter. On va essayer de le faire en moins de 26 heures. Ouais. Mais bon, on verra bien. Maintenant, adieu, va. Harmonie, respect, soutien, découverte, entraide ou défi, ils avaient tous une bonne raison de se retrouver à Vaillant ce jour-là. Mi souriant, mi anxieux, ils partent à l'assaut d'une épreuve nouvelle, une de ces aventures desquelles vous ne pouvez sortir indemne. Longue, très longue, dure, très dure, belle, très belle. Une épreuve imaginée par un spécialiste de l'ultra-trail simplement pour donner du plaisir aux autres. Ça a été, dès le départ, émouvant de voir partir 200 personnes sous notre responsabilité, donc à deux familles, aux organisateurs. Et on est parti tout de suite sur l'idée d'une longue distance parce que ça s'y prête, beaucoup de variétés de paysages. On peut faire vivre quelque chose de très intéressant, c'est pas lassant. Même s'il y a effectivement la difficulté, les coureurs le disent d'eux-mêmes, c'est difficile, mais c'est très beau, ça vaut le coup de venir. Vainqueur de la montagne Hard, troisième du Grand Raid de la Réunion en 2009, Guillon aime les challenges et les aventures humaines. 6666 Occitanes, retenez bien ce nom, 118 km, 6666 mètres de dénivelé positif au cœur du département de l'Hérault. On en est à peu près à la 458e barre de céréales. Trailer éclairé. Amateurs expérimentés, ils ont fait le détour pour se mesurer au challenge. Depuis Vaillant jusqu'à Roquebrun, en passant par la Coquillade, le Carou, la Passerelle des Soupirs, le programme les a attirés comme des aimants et c'est sans doute ce que les néophytes ont du mal à comprendre. Et on a eu également beaucoup de bénévoles qui se sont présentés spontanément et qui ont tenu à participer, à nous aider. Et ils ont été très nombreux et ça a été pour nous une aide précieuse. Et les coureurs l'ont apprécié également. Par équipe de deux ou trois, en solitaire, les 200 engagés prennent vite conscience de la nature environnante. Les montées succèdent aux descentes et vice-versa. Chemin étroit, rochers, branches, il faut tout anticiper. Devant, Pascal Blanc, Oscar Pérez-Lopez, Guillaume Bernard, Benoît de Préville, Philippe Verdier sont à portée de frontale les uns des autres à hauteur du portail de Mercoirol. La Malou, kilomètre 46, les premiers pointent le bout de leur loupiote, des relayeurs. 2000 mètres de dénivelé positif ont été avalés, à peine le tiers au programme de réjouissance. Dossard 98, Guillaume Bernard est le premier des solitaires. 4h32 de course et le sourire qui dévore le visage. On n'a pas beaucoup de kilomètres dans les jambes, donc l'idée c'était de partir à mon rythme, tranquillement. Et puis j'ai vu assez rapidement que ça se passait pas mal. Sûrement peut-être le parcours qui me correspondait bien, dans les petites descentes de sangliers, les parties roulantes. Bon, en fait, je savais qu'ils étaient toujours derrière avec Pascal Blanc. En fait, dans les descentes, je passais devant. Et dans les parties roulantes, ils me rattrapaient à chaque fois. Donc c'était comme ça depuis le début. Et moi, je m'étais fait à l'idée. Je m'attendais en fait à ce qu'ils me reprennent. À Colombières, ils sont deux à sortir de la nuit ensemble. Pérez Lopez a rejoint Bernard. Vainqueur du Grand Raid des Dentelles et du Trail Blanc en 2009, l'Espagnol est en confiance. Le Trail Blanc qui, l'an prochain, proposera une première mondiale. 80 km dans la neige des Pyrénées ariégeois, réservé à 50 coureurs. Alors, comment ça se passe? Les crampes arrivent, donc ça va être dur à la fin. Et là, ça ne m'étonne pas que les coureurs aient eu cette impression. C'était effectivement difficile. Du rocher, du sol toujours instable, un peu de racines, il faut être attentif. C'est fatigant physiquement, c'est fatigant nerveusement.
C'est fatigant mentalement parce qu'on ne sait pas si ça va être comme ça pendant 118 km ou s'il y aura un petit peu de répit. Le répit. À vrai dire, les coureurs n'y comptent pas, ou alors entre deux marches seulement. La montée vers le Carou ne facilite pas les choses. Tous attendent le lever du jour et la lumière qui saura leur redonner un peu de vitalité. Les premiers rayons ont gommé les efforts de la nuit. Depuis 9h, 10h qu'ils sont partis, les trailers peuvent enfin évoluer dans la clarté. Regardez plus loin que les pointes de leurs chaussures. Les foulées se font plus sereines, les appuis plus confiants. Courir de nuit réclame une attention épuisante. La lumière apporte presque un peu de repos. Émilie Lecomte mène la course chez ces dames. La jeune femme est déterminée. En octobre dernier, elle a remporté le Grand Raid de la Réunion. C'était la première des folles. Je suis partie un peu trop vite pour bien gérer toute la course. Et du coup, je l'ai payé un peu après. Pour la gestion, je dirais que c'était pas ça. Je savais pas tellement l'écart qu'il y avait avec la deuxième, donc ça m'a tenue en inquiétude jusqu'à la fin. Sa principale adversaire, Françoise Barrière, est à une heure derrière elle. À Aulargues, kilomètre 89, Pérez Lopez a le temps de profiter du moment. L'Espagnol possède 23 minutes d'avance sur Bernard. La différence est faite. Ça monte, ça descend. Les montagnes russes. Je crois que c'est ça, hein. Ça ne terminerait jamais, la descente pareil. Hein. Le visage est marqué, mais l'envie est encore intacte. Il reste 20 km et de quoi revenir sur celui qui, trois semaines avant, terminait quatrième des 73 km du Trail des Citadelles. Bernard Pérez Lopez joue au chat et à la souris. En retrait, les ambitions ne sont pas les mêmes, ni les allures d'ailleurs. La 6666 Occitane n'a pas surpris ses engagés, elle les a simplement enchantés. Très joli, très difficile. Et on va tâcher de rentrer comme on avait prévu pour l'apéritif. Ouais. Ça va être dur. Et en même temps, des moments de joie parce que on a un coup d'œil formidable, on a au détour d'un chemin un arbuste en fleurs qu'on n'a pas dans sa région parce que il faut quand même souligner qu'on a des personnes qui viennent de loin. Il y a 49 départements qui sont représentés sur cette première édition et tout le monde n'habite pas dans le sud donc et on a une avance de végétation en ce moment au printemps d'environ 3 semaines. Et c'est certainement beaucoup de bonheur pour les coureurs de sentir un petit peu le début de la nature émerger ici. Pour profiter de ces super points de vue, de ces beaux paysages, des mouflons qui sont là, de toute cette flore, et ça se mérite, il y a des efforts à produire. Et l'alliance de ces efforts et de la beauté qu'on rencontre au bout, ça produit cette alchimie qu'on a envie de retrouver sur les épreuves d'ultra-endurance. Il faut être un peu aguerri pour entendre ces propos. On parle de flore, de faune, de découverte. Sur le tracé qui mène à l'arrivée, les occasions de s'émouvoir sont nombreuses, à l'image de ce moment merveilleux qui consiste à plonger deux pieds surchauffés dans l'eau fraîche. Ah, j'ai les jambes, je pense qu'elles sont tétanisées. Je ne sais pas comment va être la dernière descente, mais ça va être pas facile. Les derniers kilomètres ont été très éprouvants. Il y avait une partie qui permettait d'accélérer un petit peu. J'en ai profité pour prendre l'avantage sur mon poursuivant. Mais c'est vraiment un parcours magnifique. C'est une très très belle épreuve. Une grande épreuve. Oscar Pérez Lopez baptise la 6666 Occitane. 15h33 pour venir à bout des 118 km. L'émotion est palpable.
Guillaume Bernard termine à la deuxième place après 17 heures d'effort, juste devant Patrice Pasquier. 6666 mètres de dénivelé positif, des centaines de milliers de foulées, un engagement total et un même sourire sur les visages au moment de franchir la ligne d'arrivée. La joie est à la hauteur du défi lancé par Antoine Guillon. Ils sont venus parce qu'ils souhaitaient vivre cet instant. Et avec quelques heures d'avance, joyeux anniversaire! Il a 30 ans demain! Rayonnante, de bout en bout, en dépit des coups de fatigue, Émilie Lecomte, fan de VTT, de raid, de polyvalence. Elle inscrit cette épreuve à son palmarès après 20 heures et 9 minutes de course. Deuxième place pour Françoise Barrière, 23 heures, 5 minutes. La performance sportive est indéniable. Et ce, quelle que soit la place au classement général. Le 3012, 24 heures de course. C'est voilà, une course magnifique et qui mérite vraiment d'être dans les incontournables des courses des ultras de France et de Navarre. Parce que c'est un vrai régal, quoi. Techniquement, c'est du pur bonheur et le terrain de jeu ici vaut vraiment le détour. C'est tôt dans la saison, mais il ne faut pas hésiter. Prochain rendez-vous sur Sport Plus, le Nivolet Revard, lundi prochain.